Tania, alors jour 2 jour 3 pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui jour 3 pour un autre trailer reaction. Oui, je sais, j'en ai déjà fait un sur Outlander il y a pas très très longtemps, mais cette semaine, il y a aussi le trailer de la saison 6 de Game of Thrones qui est sorti sur internet. Et c'est les deux séries que j'attends le plus ce printemps-été, je dirais. Donc je peux pas m'empêcher de faire un trailer reaction pour ça aussi. Je sais pas à quoi ça ressemble, j'ai vu plusieurs choses passer sur internet cette semaine, mais je suis vraiment retenue de pas le regarder pour pouvoir le regarder avec vous, devant vous, pour la première fois. Donc c'est parti! Ok, on va espérer que le son soit assez fort. Je sais pas si j'ai tant réagi que ça, déjà. Quoi dire? Par quoi commencer, en fait? Je dirais que la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, c'est que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, dans le sens où la bande-annonce est hyper calme, avec la petite musique douce, presque triste. Non mais sérieux, je m'attendais à des explosions puis de la bataille. Il y en a aussi. Ça monte d'un cran à un certain moment donné, mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi tranquille, aussi soft, disons. C'est vraiment étrange, mais voilà. Oh, John, je sais pas qu'est-ce qui va arriver à John. Oh, j'espère vraiment qu'il va revenir quand même! C'est mon personnage préféré! Lui et Daenerys, hein, on s'entend, c'est à peu près les deux pops que j'ai dans ma bibliothèque. Hein. Ça et Tyrion. Hein. Tyrion aussi, quand même, c'est, disons, mes trois personnages préférés. J'ai Jon, Daenerys, Tyrion. Mes trois personnages préférés de la série. Il y en a un déjà de parti, j'espère pas que les autres, ils vont y arriver quelque chose parce que, oh là là, oh là là! Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec ces personnages-là et puis avec la fin aussi de la saison 5, c'était juste extraordinaire, donc j'ai vraiment hâte ce qui va arriver. Il y a Bran aussi qui revient, qui était pas du tout dans la saison 5, et il a vraiment grandi. Oh, il est rendu beau bonhomme quand même. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va arriver avec lui aussi, parce qu'on voit à un moment donné qu'il y a un marcheur blanc, je crois que ça s'appelle comme ça. Oh, alors moi j'écoute en anglais, fait que des fois là, je pense que ça s'appelle comme ça, voilà, qui est derrière lui, donc je me dis, oh, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce que c'est un rêve, une vision? Je sais vraiment pas ce que c'est la réalité avec lui, on sait jamais non plus, hein. Bon, avec Game of Thrones, en fait, on sait jamais ce qui va arriver. On a des surprises, c'est surprise après surprise, puis on sait jamais ce qui va arriver, puis c'est ce que j'aime, en fait. Il y a de la bataille, il y a beaucoup de psychologique aussi, je trouve, dans cette série-là. Et puis, tout ça mêlé avec l'époque un peu plus, comment je pourrais dire, pas médiévale, vous voyez un peu ce que je veux dire, là. Sansa aussi, c'est vrai, Sansa. J'ai hâte de voir ce qui va lui arriver aussi après avoir sauté de ce mur. C'est déjà beau qu'elle soit encore en vie, je dirais, hein? Bravo Sansa, vraiment, je te lève mon chapeau même si j'en ai pas. Donc, c'est pas mal ça, c'est pas mal ce que j'avais pensé de cette balance-là. Je crois que je vais aller la regarder encore une fois pour comprendre un petit peu mieux ce qui se dit, réanalyser aussi. Je sais qu'il y a plein d'analyses qui sont sorties sur internet aussi, donc j'ai hâte de voir ça dans un sens parce que il y a peut-être plein de choses que j'ai pas vraiment remarquées et ça commence déjà au mois d'avril, c'est bientôt, c'est dans un petit peu plus qu'un mois. Oh my god, ça j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça et j'espère que vous aussi, hein, quand même.
Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo trailer reaction. J'espère que vous avez apprécié, même si mes réactions sont pas extraordinaires, hein. On peut pas réagir comme au trailer d'Outlander, hein, à tous les coups quand même, hein. Bon, il y a des séries que j'attends plus que d'autres. Celle-là, elle est en deuxième place sur ma liste, donc réaction un petit peu moins exagérée, je dirais. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!